ce soir sur le parvis de la Tour Montparnasse. Il devait y avoir donc un iftar antifasciste, un événement convivial pour lever la tête en tant que musulman aimé de ce pays, puisque après les agressions islamophobes sur les sœurs, après le traitement islamophobe de l'affaire de Trappe, il semblait légitime de vouloir montrer qu'effectivement la dignité sera notre réponse et non pas la peur ou le repli, la victimisation. Donc on devait faire un iftar tous ensemble dans un esprit bon enfant. Et au dernier moment, la préfecture, après 9 jours de traitement de notre déclaration, a finalement interdit un vendredi soir à 18h notre rassemblement. Donc nous laissant très peu de temps pour réagir et essayer de contester cette décision. Malgré ces délais très courts et ces manigances pas très honnêtes, on a réussi à saisir le juge, on a fait un référé et malheureusement le juge a suivi sur l'argument de la forte affluence qu'il pourrait y avoir ici parvis de Montparnasse entre 20h et 22h. Donc ils nous ont proposé finalement d'aller place de la Nation, sachant que c'est un mensonge en fait qu'a osé perpétrer le représentant de la préfecture dans un tribunal de justice en disant qu'il nous avait proposé la place de la Nation en solution de rechange et qu'on l'avait refusé. C'est faux. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est dit dans la décision de justice ? C'est qu'en raison de la forte affluence, ici c'est pas possible. Mais par contre, on peut aller place de la Nation. Donc ça sent quand même un peu, la bouffonnerie. On a l'impression que on peut facilement nous manipuler, nous faire courir d'un côté, d'un autre. Mais de toute façon, nous on lâchera pas. On a vu le potentiel qu'on pouvait avoir notre action, qui a suscité beaucoup d'engouement, mais aussi beaucoup de crispation. Et de toute façon, on n'arrêtera pas des gens qui se lèvent pour leur dignité, par aucun moyen, même si c'est des manigances complètement puantes de l'ordre public, on recommencera, Inch'Allah. Ça va.